Tu fais quoi là? Je m'entraîne. À quoi? Puis à Warjump? Je m'entraîne au basket fauteuil. Ouais bah le fauteuil je vois, mais le basket je vois pas trop là. Tu l'as trouvé où le fauteuil d'ailleurs? Tu l'as piqué à Clarence? Oh mais ouais! Appelle Clarence! Bah pourquoi? J'ai besoin d'un coach! Now! Ouais, pas mal. Bouge pas tes jambes. Lol. Mais c'est vachement dur. It's my life. Ouais, mais j'ai vraiment besoin de progresser. Faut que tu m'apprennes à gérer ce fauteuil. Je veux devenir la Stephen Curry du fauteuil roulant. Bah, le meilleur entraînement, en vrai, c'est la vie quotidienne. Faire des kilomètres, monter des trottoirs pas adaptés, monter des rampes en pente. Slalomé entre les gens qui se poussent pas pour te laisser passer. Ok. Ok, bah on fait ça. Ok, let's go. J'ai plus de bras. Et moi j'ai plus de jambes. T'es dur. En fait Zoé, je trouve ça cool. Hein. Mais pourquoi tu veux faire du basket fauteuil? Pourquoi tu fais pas du basket basket? Parce que par rapport à ma meilleure amie au lycée, Lorraine, je me dis que ça peut être cool si je peux jouer de temps en temps avec elle. Attends, toi faire du sport? Je me suis dit pareil en vrai. Mais bon, ça reste quand même un bon défi et une belle preuve d'amitié, non? Waouh, trop mignon. Mais tu t'es pas dit qu'elle avait pas le time de jouer avec des débutantes, elle? Genre, tu sais même pas faire de basket-basket. Pourquoi tu veux faire du basket-fauteuil? Toi, tu sais pas faire des divisions, pourtant tu vas bien passer le brevet. Oh! Ah ouais, sans pitié comme ça, alors. On va te faire un entraînement sans pitié, nous. Hein, Clarence? Non. Non, les gars, non. Entre deux. Trop lente. Tu triches, t'es debout! Ouais, bah quand tu seras sur le terrain, tu vois, ce sera toi qui seras en situation de handicap, pas les autres. Elles, ce seront Stephen Curry, toi tu seras Stephen Hawking, tu comprends? Elles vont te mettre 60-0 en roue arrière, tu vas rien comprendre. Alors crois-moi, mon entraînement, c'est le meilleur. Fais-moi confiance. Je comprends que tu veuilles aider ta pote, hein. Mais t'es sûr que tu dois tout faire comme elle? Pourquoi tu veux juste pas l'accompagner ou... Je sais pas moi, l'encourager, enfin, c'est déjà une belle preuve d'amitié ça, tu comprends? On peut pas tout partager avec quelqu'un. Faut accepter parfois que chacun fasse ses trucs de son côté, tu vois? Waouh, je suis choquée. T'es peut-être nul en maths, mais t'as progressé en philo. Grâce à toi, maintenant je me suis inscrit à l'asso Andy Roue Libre avec mon passe loisir. Je prends des cours de basket fauteuil. Pour me présenter ta pote à l'occasion. On en reparle pour la rencontre inclusive. Je peux jouer? Je joue là.
Attends, tu veux que je compte moi, là? Ouais. Vas-y, viens. J'ai ta misère, ma sœur. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, une partie. Hein. Ok. Tu disais quoi? Non. Tu disais quoi? Non, mais personne fait ce combo-là. Oui, personne fait ce combo-là. C'est de la triche, ouais, c'est de la triche, je te dis. Personne fait ça, tous les gamers le savent. Personne. Regarde, regarde. Et voilà, merci. Personne fait ça. Tout le monde sait que personne doit faire ce combo-là. T'avais dit quoi? Pâté à ma sœur. Oh, ça va, rigole un peu. Tu m'agaces.